Rwandaises et Rwandais, aux peuples voisins du Rwanda, à toutes les institutions internationales et régionales dont le Rwanda est membre ou adhérent, à tous les amis du peuple rwandais. Au nom du gouvernement du peuple rwandais en exil, que j'ai l'honneur de présider depuis février 2017, je viens vous annoncer une triste nouvelle, aux conséquences nombreuses pour le Rwanda en particulier et pour les pays de la région des Grands Lacs africains en général. Le président Paul Kagame, qui, vous êtes sans l'ignorer, était le président en exercice de la République du Rwanda, est bel et bien mort. Et si je suis obligé de l'annoncer sous ce format, c'est surtout parce que les institutions nationales autorisées à le faire sont réduites au silence depuis des mois, sans doute pour protéger des intérêts politiques injustes et inavouables. En effet, selon des informations crédibles à notre possession, que nous tenons d'ailleurs des sources tant nationales qu'étrangères, sources que nous estimons très sérieuses et fiables, voici les principaux éléments qui nous permettent d'annoncer, sans risque de nous tromper, que le président Paul Kagame n'est plus. La dernière vraie apparition publique de Paul Kagame date du 17 février 2020 au Rwanda, juste la veille de l'annonce de l'assassinat sur ordre de Paul Kagame lui-même, de notre regretté chanteur Kizito Mihigo, assassinat qui, vous vous en souvenez, a plongé notre pays et plusieurs millions de ses fans dans un deuil indescriptible. Ainsi, tandis que, en date du 21 mars 2020, par peur du COVID-19, le Rwanda venait d'être placé en état d'urgence et dans un confinement total et sauvage par un communiqué simplement écrit et signé par le Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard. Paul Kagame, lui, atterrissait à Londres pour des motifs de santé, étant donné qu'il était déjà gravement malade. Je rappelle en passant que cet acte du Premier ministre violait l'article 108 de la Constitution rwandaise de 2015 qui réserve cette prérogative au président de la République. Toujours selon nos sources, les médecins londoniens ont vite constaté que le mal dont souffrait Paul Kagame les dépassait. Ils l'ont donc transféré à l'hôpital plus spécialisé de la ville de Haïfa, en Israël, début avril. Les spécialistes de cet hôpital d'Haïfa ont fait leur travail et sans tarder, le diagnostic fut sans appel. Le système nerveux de Paul Kagame est complètement désintégré et ne peut être réparé. Depuis, la santé de Paul Kagame s'est vite détériorée pour tomber en état de mort cérébrale. Et les médecins l'ont placé en soins palliatifs en attendant la décision de sa famille pour le débrancher. Bref, le président Paul Kagame ne reviendra jamais à la vie et cela a bien évidemment des conséquences politiques énormes. La question de sa succession se pose désormais avec beaucoup d'acuité au vu de la situation sociopolitique assez complexe du Rwanda à la suite de son histoire lointaine et proche, et surtout au vu des exploits sanglants que le régime dictatorial de Paul Kagame n'a cessé d'accomplir au Rwanda comme dans les pays voisins depuis 26 ans. À l'heure où je vous parle, le pays est dirigé par un petit groupe de militaires très proche de la famille de Paul Kagame. Pour les observateurs avisés qui ne s'arrêtent pas aux vidéos truquées et au montage photo destiné à tromper l'opinion nationale et internationale, et suite à l'absence prolongée du président Paul Kagame, le Rwanda sombre progressivement dans le désordre, le peuple meurt de faim, des incidents de violation des droits humains se multiplient, la ville de Kigali est coupée des provinces, les régions frontalières de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les districts de Rusizi et celui de Rubavu sont indéfiniment confinés, un couvre-feu injustifié est déclaré sur tout le territoire national.
Plus intriguant encore, tous les hauts responsables et politiques sont réduits au silence et plusieurs hauts officiers militaires placés en résidence surveillée. Notez en particulier que depuis au moins 5 mois, on n'a plus revu en public ni le Premier ministre, ni le président du Sénat, ni la présidente de la Chambre des députés, ni le président de la Cour suprême, ce dernier ayant la responsabilité constitutionnelle de déclarer la vacance du siège présidentiel, conformément à l'article 105 de la Constitution rwandaise de 2015. Or, d'après ce même article 105 de notre Constitution, en cas de condamnation, de démission, d'incapacité permanente ou de décès du président de la République en exercice, il revient au président du Sénat, en l'occurrence, le docteur Augustin Iyamuremye, de faire office du président de la République pendant une durée maximale de 90 jours pour organiser l'élection des nouveaux présidents. Mes chers compatriotes à la communauté internationale, il convient de préciser qu'en tenant compte des circonstances particulières qui ont accompagné l'accession au pouvoir et son exercice par M. Paul Kagame, le gouvernement du peuple rwandais en exil estime qu'à la solution constitutionnelle devrait s'ajouter une solution politique pour le bien suprême de cette nation, la paix. Au lieu d'organiser des élections précipitées qui risquent de replonger le pays dans le chaos complet, le président intérimaire, qui sera bientôt invité à prêter serment, du moins je l'espère, devrait organiser de larges consultations avec toutes les forces vives de la nation, dont l'opposition en exil, afin de mettre en place un gouvernement de transition élargi de 24 mois qui s'adonnerait au retour des centaines de milliers de réfugiés, à la libération de centaines de milliers de prisonniers, à la pacification du pays et au rétablissement des relations apaisées avec les pays voisins, à la levée de tous les blocages constitutionnels et légaux destinés à marginaliser, exclure et discriminer les opposants. Et pour conclure, je demande au président de la Cour suprême, M. Faustin Désiré Gyaoui, de prendre ses responsabilités et d'user du pouvoir que lui confère l'article 105 de la Constitution et déclarer officiellement et dans les meilleurs délais la vacance du siège présidentiel. Le peuple attend impatiemment d'entendre son discours. Nous demandons également aux forces de l'ordre de ne pas succomber à la tentation, à peine voilée, de certains irréfléchis qui s'organisent déjà pour prendre le pouvoir par un coup d'État contre les institutions. Cela ne ferait qu'empirer la situation de notre cher pays et votre responsabilité serait sérieusement engagée devant Dieu et devant le peuple. Nous demandons ensuite au gouvernement des pays voisins et à toute la région des Grands Lacs de suivre de près l'évolution de la situation au Rwanda. Nous demandons enfin à l'Organisation des Nations Unies et à toute la communauté internationale de soutenir le Rwanda dans les moments très difficiles et de reconnaître les efforts du gouvernement du peuple rwandais en exil, désireux d'apporter la contribution de l'opposition rwandaise au rétablissement de la paix et de l'ordre démocratique au Rwanda pour le bien de ce peuple et de toute la région. Vive la République, que vive la paix et la réconciliation des peuples. Je vous remercie.